Joseph Ngata, député de Sikansi, a décortiqué des pans de la Constitution et certaines lois pour les populations de sa circonscription, le mercredi 27 avril 2022. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est certainement cette maxime qui a inspiré la mise en place de la tribune du député, une occasion d'expliquer la loi aux populations. Au menu de cette première édition, on note d'importants textes de loi. Instruits sur 17 articles clés de la Constitution selon une bonne source, les populations sont venues des 14 villages du département, dont les chefs de village, des chefs de génération et les représentants de l'équipe Ensemble Construisons Sikansi, ECS, ont été instruits sur 17 articles clés de la Constitution. La loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques de même, le député Joseph Ngata a passé en revue 5 lois, la loi portant code pénal, la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques, la loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en côte. D'ivoire, également, la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 et la loi portant plan national de développement, PND, pour la période 2021 à 2025. Satisfait d'avoir atteint les objectifs de cette première édition, le député Joseph Ngata a exhorté les uns la population à la mise en application des lois votées. Par ailleurs, il a été procédé à la pose de la première pierre de la permanence du député de localité. Une maison communautaire qui devrait permettre à l'élu de rencontrer les populations, collecter leurs préoccupations afin de les traduire en propositions de loi. Lire aussi Côte d'Ivoire, le président du groupement des imprimeurs pose un acte fort en mémoire de Iman Reyes. Soulignons que cette première édition de la tribune de députés s'est bien déroulée en présence de Madame Rabé Joël, secrétaire générale de la préfecture, représentant le préfet de Sikansi et de plusieurs élus locaux.